is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call a world. De Geeky Touch qui roule très très bien d'ailleurs. Sinon, le petit colis, t'as vu, il est chargé. Là, je suis en direction pour aller chez Alexis. Alexis, c'est le propriétaire du T3 et il a aussi un atelier moto parce que c'est un fou de moto. Il a des petits jouets et il bricole pas mal comme ça dans son atelier. Il a tout ce qu'il faut pour refaire des motos. Donc, je me suis dit, je ne veux pas la faire chez moi, je veux la faire chez toi. Il m'a dit, pas de problème, passe. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre. J'ai même chargé deux autres roues. J'ai retrouvé deux autres roues en partant, et bah, éventuellement voir si ça se monte. Et voir ce qu'on fait avec ça là, ce qu'on a reçu de Los Angeles quand même. Modèle unique. Enfin non, il y en a eu trois je crois. Bon, on verra. Je te laisse découvrir le unboxing. Bon, on va aller voir s'il bricole. Normalement oui, il est tout le temps en train de bricoler. Wow, on ferme le portail. J'arrive, tu me fermes le portail à la tronche. Ça va le bricoleux? La baisse. La baisse. Toujours en train de faire de la bécane, hein. Je me suis pas trompé en venant te voir. Là, c'est pas de la voiture. Elle sera mieux ici, la mob, je pense. La quoi? La mob. Ah, ils savent pas? Ils sont pas au courant? Ben si. Ah ouais, ouais. Comment sont-ils au courant? Dans le titre de la miniature de la vidéo, ah. J'achète une mob à Los Angeles. On n'est pas à Los Angeles. Non, mais je l'ai acheté là-bas. Du coup, je voulais la placer sur le banc, là, qu'on soit à hauteur, mais... Il y a eu tuning. T'as fini ou pas? Non, mais ouais. On va faire en sorte de la descendre. Bon, après, s'il reste pas grand-chose, c'est bon, tu la termines et on la met là-dessus. Non. Je te donne un coup de main. Non, c'est tellement long et chiant que... Non, non, c'est bon. Contente-toi de faire tes voitures. Chacun son métier. Chacun son taf. C'est ça que ça ressemble, une mobilette américaine. Oh, ça revient où, ça revient où? C'est un peu de chariot handicapé, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis bon. Ça fait un bruit de ça se balade. Ah oui, oui, ça c'est. Ah, t'as pas l'air con hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ah. Tiens. Voilà le chariot d'handicapé. Merci monsieur, allez go. Putain, y'a plus de lame dans ton truc là. Mais c'est très bien. Tu peux pas te blesser. Voilà. Plus vite enlever le tiens. Fais pas le boucher là, putain. Alors on s'en fout, le truc qui va partir à la poubelle. Le carton, hein, je parle. Alors c'est une ouverture en live, hein. On l'a pas ouvert avant. Attention les surprises. Voilà, j'aime pas quand tu rigoles. C'est surtout que je crois que les mecs d'AliExpress, ils en voient mieux que ça. J'avoue, le truc, le carton, il est mort. Voilà. Le Saint Graal. Du polystyrène. Attention que ça tombe pas. Je vais pas la faire à la Tomahawk, genre bing bang boum. Parce qu'après, moi, je ramasse pour de vrai, les mecs. Ah, regarde, moi je le pose et je rangerai tranquille à tout le monde. Bim bam boum. Ah non, 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 comme le toi, Dali. Voilà, TSR001. Il est gravé. Déjà, on a des guidons bracelets. Là, il y a un riz blanc. Ah,
Non. Non. Si, si, il a raison. Il est venu sur toi. Non, il est pas. What the fuck or what the fuck? Ah. Ah. Ok. Voilà. Ah putain, il y a même un amortisseur de direction. Ah, les machines de compétition, hein. Il y a plein de rayures partout. Mais ça donne envie de le laisser. Ah putain, il y a pas de bouchon de réservoir, ouais. La béquille. Hop, la petite aile. Ah, elle, c'est bon. Elle a pris un petit peu des petits chocs. Putain, c'est vachement rudimentaire. Elle est là, le bouchon, regarde. Le Saint Graal. Oh putain. C'est lourd. Ça ressemble à ça, un cadre rusty. God damn! C'est quoi ça? Le phare! Low Broke Houston. Là, ça va trop bien avec une plus grosse crépine. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le même diamètre. Ouais, ce coup, c'est là. Hein. Alors, ça, c'est sympa par contre. Parce qu'effectivement, on n'en trouvait plus en Europe. La veilleuse! Là, t'as la monte MBK et Peugeot, là, t'as les deux Anthrax. Bah c'est ça en fait ce que je comprenais pas. Attention, je pense à tiens. Ouais, peut-être. Non, c'est là. Regarde devant, ça passe. Là. Voilà. Les petits pets. Bah, c'est vachement mignon quand même en fait. Avec le petit phare devant là. Ouais. Putain, quoi, la gueule du. Regarde ce diamètre de fourche. Ouais, bah après, ça va peut-être changer. Hein. What the fuck, what the fuck? TSR. Ça va, c'est rigolo. Tomahawk Street Racing. Ou Street Racer. Donc, ce sera la première. 001. Je pense, et unique en France. En Europe? Bah, après, il y en a eu 3 cadres fabriqués comme ça. Qui ont été envoyés où? Et les 3 sont en France, a priori. Ah bon, j'ai voulu faire genre l'exclusivité. Mais moi aussi, je crois que c'était la seule, mais en fait, il y en a 3. Après, on n'a pas de nouvelles des deux autres. Est-ce qu'elles sont gravées comme ça? Non, ça, c'est la seule qui est gravée. Voilà. Vous en rendrez pas compte en vidéo, mais c'est que de la ferraille. Il n'y a rien de super excitant en soi. C'est des tubes assemblés. Voilà, c'est des morceaux de tubes coupés, soudés. Il y a de la soudure belle, il y en a de la. Ah, si, ça va, elles sont pas dedans, partout, elles sont propres. Du coup, on fait quoi de ça? On la remonte en mode. Mobilette. Bah, j'aurais bien vu un petit moteur d'origine. Un truc à 8 chevaux. Bah, j'en serais... Faut l'emmener la bête. J'en serais très content d'ailleurs. Ouais. Non, bah, le projet... Moi je voyais plus en mode grosse fourche, grosse roue, frein à 10. Un moteur qui watte bien, un bel échappement. Ouais. Des couleurs sympas. Mais rappeler un petit peu le petit côté Tomahawk ou éventuellement. Ouais, va falloir c'est réfléchir, mettre tout à plat. Et grosse puis, belle fourche avec ça là. Ouais. Une belle petite selle avec un beau petit cuir. Faut qu'on en discute. Ouais. Va falloir réfléchir à avec tout une cela. Grosse roue. Tu vois, j'ai ramené des roues, mais je sais pas si ça passe. Je te confirme que non. Ramène la roue avant juste pour voir. Hein. Il pense qu'il va monter une roue de moto sur une mob. Le mec, il est loin dans le tuning, Guy Guignol. Hein. Ah ouais, oh, je t'ai entendu. Oh. Moi, je te dis qu'elle se monte. Ah ouais, bah vas-y. Putain, c'est lourd ta mère. Attends. Ah, c'est le disque qui va faire chier, tu vois. Ouais, et après on rentre quoi l'avant? Bah une autre avant. Faut bien commencer par la plus petite. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Eh. Mmh. Hey. On s'y croirait. Vas-y, bouge-moi ça, c'est ça lourd. Ça peut faire joli. Oh, tiens, ça. Putain. Écoute, je sais pas. Mais tu vas pas lui mettre des petites roupettes de mobilette là? Bah on verra. C'est The Mob. Alors ça peut être The Mob avec des putains de roues de mobilette. Hein. Ouais! C'est une mob, hein. Dans ce cas-là, on met un moteur. On met un 125. 491, et là ça va watter, watter! Ça, je suis tout crâne. Donc le projet, ça va être. Ça va être, on ne sait pas trop encore pour l'instant. Mais moi, je verrais bien des belles pièces là-dessus. Ouais. Que de la pièce. Ça, c'est quand même la mobilette, elle est connue celle-ci, elle vient de Los Angeles, faut pas l'oublier. Par le gourou de la mobilette. Le gourou. Qui nous fait tous acheter des conneries d'ailleurs. Ouais. Parce qu'à cause de ce. C'est énergumène. On est obligé de retomber dans notre adolescence, dirais-je.
Ah putain, un petit amortisseur de direction. Size, they crossing the line, I stick to the truth, I'm one of a kind. Gave it a God and follow his signs. Now all of a sudden I'm stuck in my prime. I'm wishing them well, I threw them a dime. They stuck in the shell, they drowning with time. You see the game, we still in the fine. If they coming at us, they better rewind. Yeah, walking around with drip on me, gotta make sure I don't fall. I got kids ass looking up to me, gotta watch the way I talk. When they talking all that fakery, I just don't get involved. Got them praying on my downfall, but they still gon' sing my song. They doing the same thing, they copy and pasting. Whole lot of hate, I see what you want, you don't gotta fake it. I'm feeling like Peyton, I'm about to go apes. Yeah, what are the odds? I heard you a fraud, I need some explaining. Look, my circle is tighter than ever. My chick, she better, she better. Bon, Alexis ? Oui ? Avec ta mobilette là. Oui. Bon, si on est au courant pour la suite du projet. Ouais. Pour l'instant, il faut qu'on décide de ce qu'on va faire réellement dessus. Savoir si on part sur un délire avec des grosses roues, de gros moteurs et tout. Ou si on se concentre juste à la faire rouler, donc c'est-à-dire avec des pièces mobilettes. Facile à monter, pas d'adaptation, et au moins on roulera. Il y aura forcément de l'adaptation. Oui, mais ça sera moindre. On veut jusqu'à watts, ça c'est sûr. Moi je veux partir dans un délire, mais Alexis est plus sage, plus... Non, je suis pas plus sage. Plus réaliste. Je suis plus réaliste, parce que je sais ce que ça fait que de modifier un châssis. Ouais. Donc, oui, toi t'es plus moto, moi je suis plus dans le délire. Bon, voilà. faut qu'on en parle. Qu'on mette tout à plat. Voilà. Par contre, ne soyez absolument pas pressés. Hein. Non, mais là c'est l'épisode 1, après il est juste à suivre, hein. C'est de temps en temps. Je crois qu'on a d'autres projets à finir. Et un T3 à terminer. D'ailleurs, à qui il est ce T3? Un connard. Un mec qui est à fond dans la moto. Bon, sinon, voilà, au pire, vous pourrez peut-être la découvrir au Salon Époque Auto à Lyon. Si on sera sur un stand et si vous voulez, je la ramène. Ça, vous pourrez la toucher. C'est tout. Voilà, c'est tout. On pourrait la caresser. Nous, on la ramènera chez nous après. Bon ben voilà, on se tient au courant pour la suite des événements et sur ce, messieurs, dames, au revoir. Au revoir. J'allais partir mais y a quelqu'un qui est arrivé. Oh le gros zizi. Ça va? Ouais, toi? Il n'y a pas de place pour te parler ici. Alors reste là. Il n'est pas à Los Angeles. Non, je parle ici. Vas-y, vas-y! Fais un raid limiteur! Je crois que Guigui t'es tout noir! Dudu, viens voir! Ça va? Viens voir ce qu'il y a là! Vous avez sorti le plateau de tournage! Ça va? Le plateau de tournage! Ferraille! Rusty Krusty! What the fuck? Allez, on sort ça. Quoi, c'est beau gosse quand même! C'est un cadre fait maison ? Ouais. Putain. C'est un cadre, c'est Tomahawk qui a envoyé à faire ça au Canada. Ouais. Et après, c'est revenu à Los Angeles. Il y en a eu trois. Ouais. Et a priori, les trois sont en France. Ah. Tu vois, le truc, il a voyagé, hein. Ah, c'est bien travaillé. Bon, après, c'est sous Durmig, hein, je pense. Ouais, bah oui. Bon, je sais pas pourquoi ils les ont meulés. Peut-être parce que c'était pas beau, mais... Pas beau. Pour vraiment pousser le look custom jusqu'au bout. Avec la selle soudure TIG par contre. C'était con. Ah, ça c'est dans le transport, tu vois. Ah ouais, allez, bâtard, merde. Ouais. Et tu mets un moteur de quoi là-dessus? Ah, c'est le dilemme, on sait pas trop. Moi je voudrais mettre un gros moteur, Alexis voudrait mettre un moteur de mob pour juste que ça roule. Voilà, Dudu, tu l'as vu? Oui. Allez, là, c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est... La première d'une longue série, c'est ça? Ouais, la première d'une longue série, ouais. Mais bon, il manque quand même un petit moteur. Et après, à nous les dinosaures. En série. Tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre le moteur du 500 CR qui ne sert plus, qui est là depuis un moment, qui n'a jamais démarré. Il ne démarre plus. Tac, 500 CR. Il démarre même plus, je suis sûr. Et puis, compote, le machin. Je me fous, justement, il compote, mais il est là-bas. Ouais. Il démarre encore. Ça serait peut-être même l'occasion de le démarrer depuis le temps qu'il n'a pas démarré. Faut pas que le moteur y gomme. Ouais, toujours bon ça. Je me souviens même plus le bruit qu'il fait. Les mecs, ils me chauffent. Vas-y. Vas-y, crique. Va chercher une botte là. Vas-y, démarre-le. Une botte, tu nous as pris pour qui là? Tu démarres sans botte toi? Une claquette, ouais. Une claquette. Bien plus vite que tu ne puisses t'imaginer, mon petit gars. Elle est là. Bah vas-y. Ça démarre, je pense.
Moi je dis, elle démarre pas. En bas de ça, je te dis. Ah, si j'ai un retour de kick là, ça sera magnifique. On live. T'as ouvert l'essence? Ouais, starter l'essence. Ah, je l'ai pas couché comme un. Je kick elle croque. Je kick elle craque je pas. Je kick elle croque. Elle ne va pas craquer la pute. Ah bon? T'aurais dû la coucher un petit peu avant. C'est ce que j'aurais dû. Ouais, c'est la coucher pour qu'elle elle se noie un petit peu. Ça suffit, la descente c'est beaucoup trop chiant.